Toc, toc, toc. Bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. On est au musée de la Résistance parce que cette année, on va fêter les 80 ans de la libération de Limoges. Alors c'était comment pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale? Vous savez, la vie des enfants n'était vraiment pas drôle. Et c'est Christophe Guillot qui va nous expliquer comment ça se passait pour eux. Allez, vous me suivez? Bonjour les petits curieux, je suis Christophe Guillot, je travaille au musée de la Résistance de Limoges. Alors si on veut résumer ce que pouvait être la vie d'enfants pendant la guerre, on peut dire qu'ils avaient froid, qu'ils avaient faim et qu'ils avaient peur. On a peur des bombes qui continuent à tomber sur les villes, on a peur que ses parents se fassent arrêter par les Allemands ou par la police de Vichy. On a froid, bah, c'est pas de chance, les hivers 41, 42, 43 et même 44 sont les hivers les plus froids de tout le XXe siècle. À un moment, on n'a rien pour se chauffer. Les Allemands pillent le pays, il n'y a plus de bois de chauffage, il n'y a plus de charbon. On a froid, on atteint des températures records de moins 25 degrés en France. Les enfants vont avoir faim pendant toute la durée de la guerre. Les Allemands pillent vraiment tout, et notamment pillent la nourriture. Il n'y a plus assez à manger pour les Français. On est obligé de rationner, c'est-à-dire de limiter la quantité de nourriture que chacun peut avoir à disposition. Ce à quoi s'ajoutent des pénuries, des manques. Tout un tas de produits n'arrivent plus. Tous les produits qui arrivaient d'Afrique, d'Amérique, ne parviennent plus en France. Il n'y a plus de café, il n'y a plus de thé, il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus de sucre. On manque de tout. On manque également de vêtements. Il n'y a plus de tissu, il n'y a plus de laine. Donc, il faut rapiécer les habits. On n'achète pas de nouveaux habits quand on a abîmé les siens. Il faut se débrouiller. Non seulement le tissu manque, mais aussi, par exemple, le caoutchouc. On n'a plus de semelles pour les chaussures. On est obligé de se promener en galoche, en chaussures, avec des semelles de bois. C'est bruyant, c'est inconfortable, mais c'est mieux que rien. Comment se passe une journée pour les enfants pendant la Seconde Guerre mondiale? Le matin, on continue à aller à l'école, sauf qu'en plus de son cartable, on se promène avec un masque à gaz. Effectivement, on a peur des gaz de combat qu'on sait avoir été utilisés pendant la Première Guerre mondiale. On a peur qu'elles soient utilisées contre les populations civiles. Donc on équipe tous les enfants de boîtes avec des masques à gaz qu'ils vont porter tous les jours sur le chemin de l'école. Arrive à l'école, la première chose que tout élève doit faire, c'est se mettre au garde à vous devant le drapeau français et chanter l'hymne au maréchal Pétain. Le culte du chef, l'hymne au chef, la chanson vantant les mérites du maréchal, est obligatoire. Si vous ne chantez pas la chanson, vous allez avoir des problèmes et vos parents vont avoir des problèmes. Le contenu des cours devient également politique. Il faut à tout prix faire entrer dans la tête des enfants français les nouvelles valeurs du pays qui ne sont plus liberté, égalité et fraternité. Philippe Pétain a détruit la République, mais ces nouvelles valeurs sont travail, famille, patrie. Voilà les petits curieux ce que pouvait être la vie quotidienne des jeunes français pendant la Deuxième Guerre mondiale.